hivernale est aussi une saison intéressante au jardin. Surtout quand il y a des fleurs, vous ne trouvez pas ? Et pour avoir de belles fleurs pendant la saison froide, vous pouvez opter pour des plantes de terre de bruyère qui aiment les sols acides et frais et qui préfèrent la mi-ombre. Le camélia, ça sent quoi ? Ah, le camélia, ce bel arbuste rustique, il peut tenir jusqu'à moins 20, propose un feuillage vert lustré persistant. Les fleurs, souvent parfumées, apparaissent de novembre et jusqu'à mars pour les variétés les plus classiques. La bruyère, évidemment, la bruyère d'hiver développe des fleurs blanches, roses ou rouges en plein cœur de l'hiver de novembre jusqu'à mai. Le feuillage est un atout formidable car il est vert tendre, mais il peut aussi devenir bronze ou jaune selon les variétés, faites votre choix. Le skimmia du Japon, lui, offre une floraison spectaculaire au printemps, mais il va développer de jolis petits boutons rouges pendant l'hiver. Et ça, ben, ça va tenir jusqu'au printemps suivant. Et puis n'oubliez pas les classiques comme le calicarpa et ses fruits violets, les élébores avec un grand choix de fleurs, les euchères dont les feuillages colorés peuvent rester en place une bonne partie de l'hiver. Et les chrysanthèmes, ah ben oui, les chrysanthèmes et les pensées, là il y en a des tonnes de toutes les couleurs. Et si le temps s'y prête, ils peuvent tenir jusqu'au printemps. Ah, un hiver sous les fleurs, quelle bonne idée, n'est-ce pas ?